Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Le vaccin contre la Covid-19, sera-t-il obligatoire? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grande question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo. Évidemment, je récite beaucoup de questions de bien-aimés frères et sœurs qui m'ont posé sur la, la Covid-19 et aussi sur. La vaccination et je vais faire une série aussi de vidéos où je vais essayer de répondre euh, voilà à vos questions que vous me posez sur la situation de l'air à travers le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de nous faire confiance. Merci surtout de suivre. Continuellement, toujours, votre émission sur les actualités prophétiques, ces émissions, bien-aimées dans le Seigneur, auxquelles nous essayons... De vous informer de tout ce qui se passe à travers le monde avec un accent prophétique, c'est-à-dire essayer de voir les accomplissements prophétiques qui se cachent derrière tous les événements que nous suivons dans le monde. Laisse-moi vous dire ce que le média, ce que les grandes chaînes nous disent, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est orienté pour nous embrigader, pour nous diriger, pour nous faire avaler gober des idéologies en fait des choses qui sont déjà en fait euh, voilà euh, préétablies bien aimé dans le Seigneur aujourd'hui nous n'avons plus des médias euh, libres ainsi de suite non bien aimé dans le Seigneur tout est fait tout est contrôlé par le grand décideur de ces mondes je vous salue en nom précieux de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ donc le thème de notre vidéo d'aujourd'hui et tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, le vaccin contre la Covid-19 sera-t-il obligatoire? Laissez-moi, bien aimé, d'abord lire avec vous le psaume au chapitre 91. Je vais lire avec vous le psaume 91, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit « Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours » ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit dans le Psaume 91. Il nous dit, tu ne craindras, c'est un ordre que Dieu nous donne. Tu n'auras pas à craindre, tu n'auras pas à craindre la terreur de la nuit tu n'auras pas à craindre les flèche de l'ennemi qui vole les jours. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus nous dit de revêtir les armes de l'Esprit, il nous demande de revêtir aussi, d'avoir le bouclier de la foi pour arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est pour cela, nous n'avons pas à avoir, peur, bien-aimé dans le Seigneur, des flèches qui volent des jours. Et il dit, ni la peste qui marche dans le ténèbres. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces maladies que nous voyons, des maladies sous forme épidémique, sous forme, euh, voilà, des maladies contagieuses, bien aimé dans le Seigneur, ont pour origine le ténèbre. Et la Bible dit, ni la contagion qui frappe en plein midi, ce sont des maladies qui sont transmissibles, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, tu n'auras pas craindre de cela parce que l'éternel, ton Dieu et ton bouclier, il te couvrira comme une poule couvre ses poussins. C'est pour cela je suis en train de dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, le meilleur vaccin contre la Covid 19, c'est Jésus-Christ. <laughs> le meilleur vaccin contre la Covid 19, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ avec lui, bien aimé dans le Seigneur, il n'aura pas à rougir, il n'aura pas à craindre, il sera en sécurité. Laisse-moi te dire, si tu as Jésus-Christ en toi, bien aimé dans le Seigneur. La COVID-19 tournera tout autour de toi, bien aimé dans le Seigneur, en moins que le Seigneur décide que ça soit ton temps de partir. Mais si c'est les hommes des ténèbres, si c'est la méchanceté qui vient des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, même si tu as attrapé cette COVID-19, ça ne te fera absolument rien. Laisse-moi te dire, le meilleur vaccin, la meilleure protection contre la COVID-19, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps de l'épidémie, dans ces temps euh, bien-aimés compliqués, je vous demande d'avoir de, toujours confiance à votre Dieu, de continuer à vous accrocher à Dieu, de faire confiance à Dieu, Dieu vous protégera, Dieu protégera votre maison, Dieu protégera votre famille. Dieu protégera votre Église, Dieu protégera vos amis. Eh bien, vous serez tout simplement sous la couverture du Très-Haut. Soyez grandement bénis pour tous ceux qui euh, euh, font confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis et je vous encourage. Bien-aimés, nous sommes en train de nous poser aujourd'hui cette grande question. Le vaccin contre la COVID-19 sera-t-il obligatoire Premier point, laisse-moi vous faire un, peu, un petit rappel sur des annonces prophétiques que nous avons déjà faites concernant euh, la COVID-19. En avril 2019, nous avons annoncé clairement que tant qu'il n'y aura pas le vaccin, la COVID-19 ne s'arrêtera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la vidéo est encore là sur les actualités prophétiques sur la COVID. Eh bien, euh, en, en avril 2019, j'avais tellement insisté, je dis bien aimé dans le Seigneur, tant qu'on ne trouvera pas le vaccin, ne rêvez pas, la COVID-19 ne va pas s'arrêter. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui que la COVID-19 ne s'arrête pas, continue à avancer, et eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas encore le vaccin. La COVID-19 ne peut s'arrêter avec le vaccin, parce que la COVID-19, c'est quelque chose qui a été conçu dans le ténèbre, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'œuvre du Satan, c'est l'œuvre du diable, qui veut, en fait, euh, voilà, je dirais, euh, pourquoi la COVID-19 à la fin, mais vous sentez qu'il y a vraiment une volonté manifeste du diable de vouloir, en fait, détruire le men. bien aimé dans le Seigneur, en ces jours, nous comptons plus de 1 266 000 morts. 1 266 000 morts décédés à travers le monde par cette virus. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est plus de 1 266 000 morts. Bien aimé dans le Seigneur qui sont partis. La grande question que nous devons nous poser, la question, la grande question que nous devons nous poser est de savoir. Où est-ce que ces 1 266 000 vont passer leur éternité? Est-ce qu'ils sont allés à la rencontre de Jésus? Est-ce qu'ils sont dans la félicité? Est-ce qu'ils sont dans le paradis? Est-ce qu'ils sont avec Dieu? Ou bien tout simplement, le diable les a précipités en enfer? Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons prier beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, pour que les gens ne meurent pas n'importe comment. Parce que nous ne savons pas où est-ce que ces gens vont passer leur éternité notre prière, et que toute personne, avant de mourir, qu'il puisse rencontrer le Seigneur Jésus Christ dans sa vie. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons prier que nos bien aimés frères et sœurs puissent rencontrer le Seigneur Jésus Christ dans leur vie. Parce que s'ils ne rencontrent pas le Seigneur Jésus Christ dans leur vie, eh ben, c'est la séparation éternelle. Et quand je parle de la séparation éternelle, cela veut dire Peut-être vous, vous irez au ciel et en enfer, vous n'allez plus vous retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur puisse préserver ceux qui sont euh, à lui et aussi euh, tous ceux qui sont avec nous. Toujours en avril 2019, par la grâce de Dieu, j'avais annoncé qu'il y aura plusieurs vagues de la COVID-19. Vous savez, quand j'ai annoncé cela moi-même, je n'avais pas compris. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, euh, nous voyons clairement qu'il y a des vagues, et euh, voilà, euh, des vagues vont continuer, bien aimé dans le Seigneur, et nous avons clairement euh, dit euh, en 2019, euh, en avril, donc, il y aura plusieurs vagues, les vidéos sont encore là. Cela veut dire, nous ne venons pas vous dire des choses de nous-mêmes, mais lorsque nous parlons, nous parlons sous l'inspiration de Dieu, et ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, parce que nous parlons de la part du Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, avant que je parle, je prie Dieu, et Dieu m'oriente, et je vérifie ce que je vais dire par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde, pour qu'on ne vienne pas aussi vous dire des fake news, voilà, des choses. Qui ne sont pas vraies. C'est-à-dire, nous disons des choses qui sont vraies, mais nous ramenons ça à la lecture prophétique par rapport à la volonté de Dieu. Donc, c'est très important. En octobre 2019, c'est-à-dire il y a de cela quelques mois, par la grâce de Dieu, j'avais annoncé que les gens pourront être vaccinés à la fin de la troisième vague qui interviendra vers fin février-mars. Donc, bien aimé dans le Seigneur, euh, au mois d'octobre, nous avons fait une vidéo sur les actualités prophétiques. Toutes ces vidéos, il y en a six. Vous pouvez les retrouver. Hein. Donc, nous avons clairement dit qu'il y aura trois vagues et la vaccination ne pourra intervenir qu'à la fin de la troisième vague. Donc, la troisième vague, bien aimée dans le Seigneur, va intervenir tout autour de février-mars. Et bien, quand la troisième vague va monter, eh bien, ça sera aussi la vaccination. En octobre, toujours 2019, nous avons annoncé que le vaccin ne sera pas obligatoire au débit. Donc, c'est ce que j'ai annoncé euh, en octobre 2019, que le vaccin ne sera pas obligatoire au débit. Eh bien, je vais vous expliquer par cette vidéo qu'est-ce qui est et comment le vaccin euh, pourra-t-il évoluer. Donc, ça, ce sont les rappels des vidéos que nous avons déjà faites. Je bénis le Seigneur parce que nous ne nous contredisons pas. Nous sommes toujours dans la droite ligne et chaque jour qui passe, nous venons compléter les informations afin que vous soyez vraiment informés par rapport à la pensée des dieux. Alors, deuxième point, voyons un tout petit peu l'évolution, en fait, l'évolution du vaccin dans le monde. Plusieurs laboratoires sont à la phase 3 de leur vaccin. Donc, euh, depuis que le coronavirus a commencé, vous savez qu'il se passe une course au niveau de laboratoire qui sera le premier à avoir le vaccin. Et je vous avais dit, au-delà de la maladie, au-delà d'un aspect diabolique, sachez-le que pour les laboratoires, les industries pharmaceutiques, les coronas, la, la Covid-19 est une manne, en fait, qui va procurer beaucoup d'argent. Imaginez-vous, lorsqu'il y aura un vaccin, toutes ces entreprises, bien aimées dans le Seigneur, vont gagner beaucoup de milliards d'argent derrière cette maladie. Donc c'est pour cela, quand je disais que le, 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 la COVID, ce virus, va finir par la vaccination, parce que derrière ça, c'est vraiment une affaire, une machine d'argent qui se cache. Donc lorsque vous, vous souhaitez que cette maladie puisse disparaître, ne croyez pas que les, les industries pharmaceutiques, tout ça, hey, non, 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 hey, c'est l'argent qui leur intéresse. Les nations dont ils auront les laboratoires, c'est de l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Les nations qui, les nations qui vont fabriquer ces, ces, ces vaccins, c'est de l'argent, la manne qui va couler, bien aimé dans le Seigneur. Donc comprenez qu'il y a une course aujourd'hui des laboratoires à travers le monde qui sont en train de se disputer, en fait, qui arrivera. Euh, en premier. Et là, maintenant, c'est le temps de sprint final parce que les vaccins sont au, euh, au niveau de la phase 3, c'est-à-dire tester l'efficacité du vaccin sur un échantillon important d'hommes. Vous voyez, quand on parle de phase 3, c'est une phase où maintenant, les vaccins est administré dans les corps humains sous forme de tests, c'est-à-dire on va prendre un échantillon euh, de personnes. Et puis, on va les administrer. On va voir comment est-ce que le vaccin peut se comporter. Et c'est dans ce sens-là qu'on détermine l'efficacité du vaccin. Et aussi, si le vaccin ne sera pas un danger pour la population. Parce que vous pouvez vacciner, par exemple, pour la COVID-19, mais le vaccin peut provoquer d'autres maladies. C'est pour cela qu'il y a des tests, il y a des phases pour le lancement final. Donc, actuellement, la plupart des laboratoires sont... Euh, à la phase 3. Voilà. Parmi les laboratoires dont le vaccin pourra être prêt dans les jours qui viennent, nous avons euh, le vaccin euh, Sputnik 5 développé par l'institut Gamaleya Russe, dont les tests semblent être fiables à 92%. Donc, le RIS a annoncé qu'ils ont trouvé un vaccin qui s'appelle Sputnik. Sputnik 5, développé par l'Institut Gamalea. Donc, euh, selon la, la fiabilité, on dit que euh, ces vaccins ont 92% euh, de réussite. Mais comprenez que c'est Poutine qui, a, qui annonce la Russie. Donc, euh, on critique cela on dit que ça n'a pas suivi vraiment toutes les normes de vérification. Donc, euh, c'est vraiment une annonce, euh, euh, voilà, euh, voilà qui, 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 qui fait un boom, mais sans vraiment de vérification scientifique. Et là, c'est aussi quelque chose d'un peu dangereux. Alors, il y a 10 laboratoires en Chine, en Royaume-Uni, euh, Belgique, France, euh, États-Unis sont aussi en phase 3. Donc, nous avons à peu près aujourd'hui 10 laboratoires. En phase 3, en Chine, Royaume-Uni, Belgique, France, États-Unis, Allemagne, ainsi de suite, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train d'attendre. Donc, phase 3, vous comprenez qu'ils sont en train de l'administrer au niveau euh, des corps humains. Voilà. Et nous allons essayer de voir euh, si euh, euh, cela va donner aussi. Mais il y a quelques jours, vous avez peut-être suivi les laboratoires américains Pfizer. A testé son vaccin sur 43 538 000 personnes. 43 538, 43 538 000 personnes volontaires des six pays différents dont la piste semble plus probable avec 90% de réussite et pourrait être disponible. Très bientôt. Vous avez suivi le laboratoire euh, américain Pfizer avec euh, euh, son partenaire allemand. Ils ont trouvé un vaccin et ils ont dit que ce vaccin euh, a 90% de fiabilité. Ils l'ont testé sur 43 euh, 538 personnes, bien-aimées dans le Seigneur, à travers six pays dans le monde eh bien, on dit que ce vaccin est fiable à 80% et c'est ces pistes qui semblent aujourd'hui promoteurs où la plupart des gens sont en train de se préparer pour la vaccination. Donc, comprenez que six pays différents ont réussi des vaccins. Donc, parmi ces pays euh, dont on fait des, des, des vaccinations, je vis même les Émirats arabes, je vis même la Pérou, je vis euh, euh, l'Inde. En tout cas, il y a beaucoup de, de pays aujourd'hui où euh, on fait des tests de vaccins. Donc, ce n'est pas encore le vaccin, mais c'est un test. Et ces tests sont promoteurs. Donc, pour le moment, nous allons nous atteler euh, au vaccin qui a été trouvé par Pfizer, parce que c'est ce qui semble aujourd'hui promoteur. En fait, c'est... Ces, qui euh, semble probable aujourd'hui que on va multiplier et commencer à vacciner. Troisièmement, c'est que nous devons savoir sur le vaccin du laboratoire Pfizer. Alors, ce vaccin euh, du laboratoire Pfizer. Essayons de les déchiffrer un tout petit peu. D'abord, le vaccin est administré en deux doses dans l'intervalle de trois semaines. Donc, à peu près euh, 21-28 jours, selon ce on est en train de dire. Il pourra être efficace, en tout cas pas pour, pas pour toute la vie. Non. Donc, euh, le vaccin sera administré en deux doses. On vous administre aujourd'hui et puis après trois semaines, euh, on va administrer aussi. Encore l'autre dose. Pourquoi? Parce que on dit la première dose pourra être efficace à 56 jusqu'à 70% d'efficacité. Alors pour que on remonte le taux de l'efficacité, on doit l'administrer encore pour la deuxième fois. Eh bien cette fois-ci là, ça va atteindre plus ou moins 90% de l'efficacité pour vous protéger, pour protéger les gens contre la COVID-19. Mais seulement. Euh, les vaccins ne pourra pas être à vie comme des vaccins que nous avons eu euh, euh, dans nos vies ou voilà quand vous êtes vacciné c'est pour toute la vie non ces vaccins ne seront pas à vie donc selon plusieurs personnes ils disent que non ça peut être six mois ça peut être une année deux ans on ne sait pas encore exactement il y a encore un flou par rapport à cela les vaccins ne vous protégera pas contre une probable contamination, mais pourra vous aider à se défendre. Cela n'est pas dit que si vous êtes vacciné euh, contre la Covid 19 avec ces vaccins de Pfizer, que vous ne pouvez plus être contaminé. Non, vous pouvez être contaminé, mais le vaccin, en fait, va euh, donner des informations à votre corps et votre corps va produire directement, rapidement. Les anticorps, eh bien, ces anticorps pourront tout simplement anéantir le virus et c'est comme ça que ce vaccin va vous protéger contre toute forme de contamination ou de maladie ou encore des formes graves. Le vaccin pose des conditions trop strictes de conservation avant d'être administré car il nécessite un stockage à très basse température. Le gros des problèmes qui se passera avec ces vaccins, c'est la conservation avant d'être administrée, c'est-à-dire dès l'instant où ça va sortir de, de l'usine, de la production, jusqu'à l'acheminement où le vaccin sera euh, contaminé. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ça demande à ce que ça soit conservé dans des températures très basse. C'est pour ça que je me pose la question. Je dis dans des pays africains, j'ai vu quand même comment la vaccination ça s'est fait là-bas. Ça sera très très compliqué parce que si vous ne les conservez pas dans cette basse température, eh bien vous allez fabriquer une autre chose qui ne sera plus le vaccin. Voyez les dangers qui guettent, bien aimé dans le Seigneur, cette vaccination. Donc, les vaccins doivent être conservés à une très basse température. C'est pour cela que ces vaccins ne seront pas administrés n'importe où. Donc, il y aura des endroits bien spécifiques pour vacciner les gens. Ça ne sera pas comme ça s'est fait la plupart des vaccins. Non, parce que la conservation de ces vaccins. Est un élément majeur parce que si la conservation n'est pas dans une température très basse, et eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le vaccin ne marchera tout simplement pas. Donc, voyez un peu, bien aimé, ce que nous pouvons euh, savoir si c'est va, ces si Quatrième point. La stratégie de la vaccination dans le monde. Quelle est la stratégie aujourd'hui de cette vaccination dans le monde Donc il faut comprendre comment est-ce que cette stratégie va s'élever. Alors d'abord il faut comprendre bien aimé dans le Seigneur que ces vaccins euh, aura un coût très élevé. Si on dit vraiment qu'il à quelqu'un d'acheter ces vaccins, eh bien, le plus unitaire de ces vaccins va tourner tout autour de, 8, de, pardon, de 30 euros. Donc, vous voyez que ce n'est pas comme euh, d'autres vaccins, 4 euros, 7 euros, ainsi de suite. Ces vaccins ont un coût quand même très élevé, 30 euros à peu près, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous ne savons pas comment est-ce que les gouvernements euh, occidentaux vont s'organiser pour soit supplier ou bien prendre cela en charge par rapport à leur couverture maladie, ainsi de suite. Eh bien, nous ne savons pas encore, mais on évalue... À plus ou moins 30 euros voilà le coût unitaire d'un vaccin donc euh, voilà un peu ce que vous pouvez euh, savoir par rapport euh, euh, à cette vaccination stratégie toujours il faut comprendre bien aimé dans le seigneur que nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards 794 millions d'individus sur la planète donc lorsque nous disons qu'il faut vacciner tout le monde cela veut dire qu'il faut vacciner 7,794 millions d'individus sur la planète. Ce n'est pas ici. Le chiffre, le nombre de personnes, bien aimées dans le Seigneur, ce n'est pas ici. Déjà, les États-Unis, par exemple, il a à peu près 331 millions d'individus. 31 millions d'individus. Déjà, rien que les États-Unis, c'est 331 millions d'individus. Quand vous prenez la France, c'est 66 millions 524 000 individus. Vous voyez 66 millions 524 millions d'individus. Quand vous prenez l'Allemagne, c'est 81 millions 497 000 individus. Vous voyez 81 millions. Quand vous prenez euh, le Royaume-Uni, c'est 65 800 000 individus à peu près. Quand vous prenez l'Italie, c'est 60 31 317 000 individus. Le Portugal, 10 247 000 individus. L'Espagne, c'est 47 millions, 47 329 000 individus. La Belgique, c'est 11 millions 492 000 individus. Je vous ai donné ces chiffres à dessein pour vous faire comprendre que non, nous avons une très grande demande, c'est-à-dire euh, la demande pour vacciner tout le monde ou pour vacciner un pays eh bien, est énorme. Ce n'est pas quelque chose euh, euh, voilà, de, de très facile. Donc la demande euh, pour 7 milliards d'individus, ah ben, ça ne sera pas facile. Et vous avez vu avec moi le nombre euh, des habitants par pays. Donc, ça ne sera pas facile. Les laboratoires Pfizer annoncent que, sur base des projections actuelles, ils, ils prévoient de produire dans le monde jusqu'à 50 millions de doses en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard en 2021. Donc Pfizer, qui vient de découvrir, qui vient de mettre en œuvre ces vaccins, a déjà fait savoir que cette année 2020, ils sont déjà euh, en train de produire pour qu'à la fin de cette année 2020, qu'ils puissent avoir ne fût que 50 millions de doses. Vous voyez bien aimé, donc à la fin de cette année, ils pourront déjà avoir 50 millions de doses. Et l'année prochaine, cette année en 2021, ils auront à peu près 1,3 milliard de doses. Quand vous prenez le nombre de, de ce qui sera produit en 2021 et vous regardez la demande qui est de 7 milliards par rapport à la population mondiale, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est encore insignifiant. Et certainement, il y aura d'autres laboratoires, peut-être parce que je dis dix autres laboratoires, sont en phase, euh, en phase 3, c'est-à-dire, et aussi, ils pourront commencer la production et en 2021, peut-être on pourra atteindre jusqu'à, par exemple, 3 milliards de doses qui seront peut-être euh, prêts pour euh, la fin 2021. Donc, vous allez comprendre que nous avons la loi de la demande et de l'offre. La demande est très élevée et l'offre est encore euh, euh, voilà est encore insignifiant. Et laissez-moi vous dire, le vaccin n'est même pas encore sorti qu'il est déjà en rupture de stock. Le vaccin n'est même pas encore sorti qu'il est déjà en rupture de stock à cause des précommandes, c'est-à-dire les pays, les gouvernements ont fait ce qu'on appelle des précommandes. Le vaccin n'est pas encore homologué, mais ils ont déjà commandé un grand nombre pour que, lorsque le vaccin sera homologué, que les gens ne soient pas en retard. Parlons un tout petit peu de l'Union européenne. L'Union européenne a fait savoir par la voix de la présidente de la Commission. Ursula von der Leyen, qui nous commande de 300 millions de doses était sur le point d'être finalisée avec euh, la société Pfizer, le laboratoire Pfizer. Donc, l'Union européenne pour le moment a la capacité de faire une commande et ils sont en train de finaliser cette commande avec Pfizer. Ils vont, en fait, euh, fait une commande de 300 millions de doses. 300 millions de doses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenez que 300 millions de doses, c'est insignifiant par rapport à des pays que je viens des, de citer cités de l'Europe où, euh, le président de, voilà, le, la présidente de l'Union Européenne a tout simplement dit que non, ils vont faire une répartition équitable, c'est-à-dire, tous les pays de l'Union européenne pourront bénéficier de ces 300 millions de doses. Donc, ce ne sera pas que non, l'Allemagne prend ça et puis euh, il sert d'abord euh, son peuple, et puis la France. Non, non, non. Ils vont d'abord se répartir un tout petit peu, un tout petit peu, les 300 millions de doses qui sera mis à leur disposition. Donc, il n'y aura pas assez de vaccins pour tout le monde au débit. Cela veut dire tout simplement, le vaccin ne sera pas obligatoire au débit. Donc, euh, vous comprenez tout de suite, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'y aura pas assez pour tout le monde au débit. Le vaccin ne pourra pas être obligatoire, en fait, pour tout le monde au débit, parce qu'il n'y en a même pas assez déjà pour euh, tout le monde. Alors, qui seront Priorité, cinquième point, qui seront prioritaires pour être vaccinés Qui sont des personnes qui seront vaccinées en premier Donc, dans plusieurs pays euh, du monde, euh, de l'Europe et aussi en France, eh bien, ils établissent déjà le principe ou bien le, la liste des priorités, des gens qui sont priorités pour être euh, vaccinés. Et parmi les gens qui sont priorités pour être vaccinés, d'abord, c'est les soignants, les corps médicaux. Donc, le vaccin sera d'abord donné pour les soignants, c'est-à-dire tous les corps médicaux, parce qu'ils sont plus exposés par rapport au risque d'avoir la COVID-19. Deuxièmement, le service public, c'est-à-dire pour leur proximité avec les publics. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans des services publics, eh bien, bien aimé, c'est eux qui seront vaccinés en premier. Pourquoi? Parce qu'ils sont à proximité avec le public, donc ils sont, en fait, ils ont beaucoup de risques pour euh, attraper la COVID-19. Troisièmement, ceux qui sont en troisième de la liste, c'est les personnes à risque. Les personnes à risque. Parmi les personnes à risque, nous avons ceux qui sont âgés ou ceux qui présentent des pathologies graves ou chroniques. Eh ben, des personnes à risque, ceux qui sont plus âgés, hein, Voilà, ceux qui sont dans des EHPAD, dans des hommes des vieillards, ainsi de suite. Eh ben, et puis des personnes qui présentent des pathologies chroniques ou bien des pathologies graves et ils sont, en euh, dans la liste. ils sont en troisième dans la liste pour être vaccinés. Ce n'est qu'après que les autres personnes pourront bénéficier. Donc ça, c'est la stratégie par rapport à la vaccination. Sixièmement, les gens sont-ils prêts de se faire vacciner? Ça, c'est la grande question. Que, euh, euh, on se pose aujourd'hui, est-ce que le monde est prêt pour être vacciné Est-ce que les gens pourront-ils euh, accepter le vaccin Eh bien, selon plusieurs sondages menés à travers le monde, et surtout dans des pays occidentaux, il y a 60% de la population qui sont déjà prêts pour être vaccinés. Donc 60% de la population. Sont prêts pour être vaccinés. Mais ça varie d'un pays à un autre. Ça, c'est d'une façon générale. Les pays euh, occidentaux, 60% sont prêts déjà à être vaccinés. Mais dans d'autres pays, par exemple, pour la France, on parle de 56% de la population qui serait prête, prête pour être vaccinée. Donc euh, voilà, c'est un peu ça. Cela veut dire euh, le nombre de gens qui sont déjà prédisposés à être vaccinés, c'est quand même très considérable. Mais de l'autre côté, il y a encore beaucoup de sceptiques, il y a encore beaucoup, eh bien, qui ne concèdent pas, qui en euh, fait euh, ne, ne, ne ne voudront pas, en fait, euh, se faire vacciner. Donc la réalité aujourd'hui, c'est comme ça, bien aimé dans les seigneurs. Alors, essayons de voir un peu. Est-ce que en fait, le vaccin euh, peut vraiment être obligatoire euh, euh, déjà aujourd'hui ou bien euh, au début de l'année 2021. Essayons de voir, euh, voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'ai déjà donné une partie des réponses dans mes émissions euh, précédentes où j'avais dit que le vaccin sera obligatoire. Et je continue à dire que le vaccin sera obligatoire, mais ça ne sera pas au débit. Donc, euh, et je, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sous le plan technique, sous le plan technique, les vaccins contre la COVID-19 ne peuvent pas être obligatoires en 2021 du fait de son nombre limité. Vous voyez bien, mais dans le Seigneur, on ne peut pas demander aux gens euh, de se faire vacciner de manière obligatoire. Si vous n'en avez pas pour vacciner les gens. Donc, nous avons vu que les laboratoires Pfizer a dit en 2021, il ne peut produire que 1 milliard 300 milliards. Vous voyez? 1 milliard 300 millions. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Et certainement, il y aura encore d'autres laboratoires qui vont entrer en danse, qui pourront produire aussi peut-être 1 milliard 700. Donc, nous aurons pour 2021, peut-être euh, 3 milliards de voilà 3 milliards de vaccins ce qui ne sera pas du tout euh, ce qui ne sera pas du tout suffisant pour vacciner toute la population mondiale donc sous le plan technique eh bien, le vaccin ne peut pas être obligatoire en 2021, que cela plaise à quelqu'un ou non, ça c'est ma conviction euh, par rapport à ce que je reçois, par rapport, euh, euh, au fait, euh, à la manière dont je comprends des choses. Eh bien, euh, sur le plan technique, cela n'est pas faisable. Deuxième point. Sur le plan politique, sur le plan politique, le vaccin contre la COVID-19 ne peut pas être obligatoire tout de suite par crainte des contestations. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, déjà, vous remarquez que il y a des contestations euh, très sérieuses par rapport au confinement, euh, par rapport à des restrictions qui sont données actuellement. Eh bien, si euh, un gouvernement prend le risque de dire que non, le vaccin est obligatoire, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des vagues, des... Contestation. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, et déjà avec tout ce que les gouvernements sont en train de subir aujourd'hui concernant la Covid-19, je ne vois pas vraiment un gouvernement qui va prendre de tels risques. Soit alors on peut prendre. Euh, une décision symbolique, comprenez bien ce que je peux, je suis en train de dire. On peut prendre une décision symbolique de dire que non, le vaccin contre la Covid-19 sera obligatoire, mais sous le plan pratique, on ne les rendra pas obligatoires en 2021 parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est-à-dire, ça pourra être à long terme. Mais pour l'année 2021, et bien, bien aimé dans le Seigneur, le vaccin ne sera pas obligatoire. Peut-être après l'année 2021, et bien là maintenant, le vaccin pourra être obligatoire de manière claire par le gouvernements. Mais pour le moment, bien aimé, euh, aucun gouvernement ne pourra prendre une telle décision euh, de perdre d'être voilà sous le projecteur des contestations des critiques ou bien soit on peut prendre une telle décision mais de manière symbolique pour juste annoncer que euh, voilà le vaccin pourra être euh, voilà obligatoire à la longue mais ça ne sera pas encore entré en vigueur euh, euh, à cet temps. Troisièmement, sous le plan spirituel, nous venons maintenant sur le plan spirituel, et eh bien sous le plan spirituel, étant donné que nous ne sommes pas encore basculés dans la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est-à-dire les sept dernières années des nations, sous les commandes de la bête, de l'antichrist, des fils du diable, le vaccin ne peut pas être obligatoire euh, de manière... Ouverte, C'est-à-dire, ça ne peut être obligatoire que de façon subtile. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai dit, nous ne sommes pas encore dans la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est-à-dire, le sept dernières années du temps des nations. Le temps où les nations vont se réunir, il y aura un gouvernement mondial qui sera piloté par l'Antichrist, le fils du diable, que nous appelons la bête. Eh bien, nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Étant donné que nous ne sommes pas encore arrivés à cela, il n'y aura pas de décisions aussi qui seront très ouvertement euh, à l'encontre de la population, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que non, euh, le monde des ténèbres, le nouvel ordre mondial n'a pas encore reçu le feu vert pour commencer à opérer de façon... Euh, vraiment euh, efficace ou bien euh, euh, ouverte. Donc ils sont encore sous des contraintes, ils ont encore des limites bien aimés dans le Seigneur. Donc c'est seulement lorsque nous allons basculer dans la dernière semaine prophétique de Daniel, là maintenant l'Antichrist a le feu vert bien aimé dans le Seigneur pour commencer à agir comme il veut. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais tant que nous ne sommes pas encore basculés dans la dernière semaine prophétique de Daniel, c'est-à-dire les sept dernières années du temps de la fin, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, le vaccin ne peut pas être ouvertement obligatoire. Donc ça peut être obligatoire par subtilité. Par subtilité. Donc comprenez bien ce que je suis en train de dire. Sinon, bien-aimés, dans le Seigneur, les gens vont se faire des idées seulement pour rien. Bien-aimés, soyez grandement bénis. Maintenant, quatrième point, sous le plan stratégie du nouvel ordre mondial. J'ai essayé un peu de parler ça aussi sous le plan stratégique du nouvel ordre mondial, les vaccins ne peuvent pas être déclarés ouvertement obligatoires pour le moment parce qu'il y a encore beaucoup de résistance et aussi parce que ils n'ont pas encore le feu vert pour commencer pleinement à agir. Est-ce que vous me comprenez J'ai dit que ces vaccins ne peuvent pas être obligatoires bien aimés dans le Seigneur parce que actuellement il y a encore plusieurs poches de résistance. On les résiste parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez, tant que le Seigneur n'a pas encore permis que le temps, en fait, euh, euh, de ces gens-là, la dernière semaine prophétique puisse commencer, eh bien, la population, euh, les gens ont la possibilité de résister à ces gens-là, de résister à leur plan, de résister à leurs manœuvres. Mais une fois qu'ils auront le feu vert, une fois, bien aimé dans le Seigneur, le monde va basculer dans la dernière semaine prophétique. En ce moment-là, vous ne pouvez plus poser de résistance. Or, vous savez avec moi que le monde n'a pas encore basculé dans la dernière semaine prophétique. Cela veut dire il y a encore des résistances, et il y a encore des gens qui peuvent farouchement s'opposer. Et étant donné que eux aussi ils sont conscients que la population, les gens peuvent être euh, s'opposer farouchement, eh ben bien aimé dans le Seigneur, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial ne rendra pas encore obligatoire de façon stricte euh, ces vaccins. On peut les déclarer même que le vaccin est obligatoire, mais dans l'applicabilité, ça ne sera pas encore le cas. Comme si on peut directement dire que non, le vaccin n'est pas obligatoire, ainsi de suite. Donc, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. C'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés, bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous arrivons... Euh, dans cette euh, période-là, eh bien aimé dans le Seigneur, là, en fait, ils auront les cartes, la carte, la carte blanche, eh bien, ils auront le feu vert, l'Antichrist pourra faire ce qui est Donc, en conclusion, les vaccins ne seront pas clairement rendus obligatoires, de peur que les gouvernements des nations se retrouvent face à une vague de contestations contre l'atteinte aux libertés des personnes les vaccins sera subtilement contraignant dans bien des occasions ou situations. Je dis bien, les vaccins sera subtilement contraignant, subtilement obligatoire, c'est-à-dire on les rendra obligatoire de manière subtile. Par exemple, on vous dit, on ne peut pas vous engager ici parce que c'est un poste à haut risque, il faut que vous soyez vacciné. Vous voyez bien, mais dans le Seigneur, c'est-à-dire... Sur le plan légal, ce n'est pas une obligation, mais sur le plan subtilité, on le rend obligatoire. C'est exactement ce que vous devez comprendre. On vous dit par exemple que ceux qui sont vaccinés ici, ils n'ont pas le droit de porter les masques, mais celui qui n'est pas vacciné doit porter le masque. En ces moments-là, celui qui n'est pas vacciné, il est obligé de porter le masque jusqu'à ce qu'il sera fatigué lui-même. Il dit bon. Pff, Mieux euh, d'être seulement vacciné. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on vous dit que non, celui qui n'est pas vacciné doit être en quarantaine pendant un voyage. Il doit d'abord faire euh, sa quarantaine. Vous voyez Mais celui qui est vacciné, il peut directement passer. Donc, on, de manière subtile, on les rend contraignants. Je, je, je sais que vous êtes en train de comprendre que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le vaccin ne sera pas encore obligatoire au débit et ne croyez pas qu'en 2021 le vaccin sera obligatoire. Je vous décourage, vous tous qui pensez qu'en 2021 le vaccin sera obligatoire. Oui, je crois que le vaccin sera obligatoire, mais pas en 2021. Son applicabilité ne sera pas encore en 2021. On peut même le déclarer, c'est obligatoire, mais on ne va pas commencer à coincer les gens. L'applicabilité, ça ne sera pas en 2021 pour des raisons que je viens de vous citer. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Comprenez au fait que nous sommes devant des réalités. et eh bien, toutes ces réalités nous attestent tout simplement que Jésus est à la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se cache derrière le vaccin Pourquoi on tient à ce que les gens soient vaccinés Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre prochaine... Euh Séance des actualités prophétiques, nous allons essayer de vous dire, de décrypter ensemble avec vous, eh bien, pourquoi on tient à ce que les gens soient vaccinés, pourquoi la COVID-19 a intervenu et qu'est-ce qu'il y a comme euh, en fait euh, bénéfique pour. Euh tous ces gens qui tirent les ficelles en bas, eh qu'est-ce qui se cache Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous allons, bien aimé dans le Seigneur, répondre dans notre prochaine vidéo. En tout cas, merci bien aimé dans le Seigneur pour la confiance que vous nous faites. Nous ne voulons pas développer des fake news. Nous sommes en train de vous dire des choses qui se passent aujourd'hui réellement à travers le monde et nous les mettons dans l'angle purement prophétique afin que, bien aimé dans le Seigneur, vous soyez informés, non comme les médias vous informent dans vos télévisions, mais par rapport à la lumière du Seigneur, par rapport... à à l'option, à la dimension prophétique. Soyez grandement bénis, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez continuellement nous suivre sur notre chaîne YouTube Voici les l'époux où nous développons euh, autant des enseignements aussi qui touchent euh, sur la prophétie de la temps, euh, du temps des fins. Et puis, bien aimé dans le Seigneur, chaque 22 heures nous avons notre prière euh, sur notre chaîne. Et le dimanche à 13h, nous avons notre direct pour prier ensemble dimanche pour Christ. Soyez grandement bénis si le Seigneur tarde à venir. Nous allons, en euh, fait, nous voir euh, continuer à partager avec vous la parole de Dieu euh, par la grâce de Dieu tout prochainement. Je vous bénis en nos puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur. Merci beaucoup. Amen.